bonne mine. Alors, qu'est-ce que c'est donc souffle de blush, douceur et éclat de la marque Marionneau. Et c'est la teinte 01 Rose Ivresse. Donc c'est vraiment génial, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne connais pas du tout la marque, les produits de la marque Marionneau. Oh la vache. Ah ça y est. Il est trop beau. Il est comme ceci. Ouais, très très jolie couleur. C'est vraiment les couleurs de blush que j'aime. Ouais, je ne sais pas si vous allez le voir, il est là. Très très joli. Merci beaucoup. Alors, c'est automatique sur tes lèvres. C'est automatique sur mes lèvres. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est un rouge à lèvres, oui, mais pourquoi automatique? Non. Oh. T'es une grande malade. C'est un rouge à lèvres Shine Automatique de la marque Guerlain. Et c'est le 260 Jardin de Bagatelle. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Donc le packaging est un packaging de folie. Voilà. Voilà. Et rien que de voir ça... Je pense que ça se pousse. Ah ouais, d'accord. Oh la vache. En fait, c'est génial parce qu'on fait ça et il rentre tout seul. Donc on peut pas abîmer le raisin. Il est trop beau. Il est magnifique. Oh, l'odeur est à tomber en plus. Il est trop trop beau. Vous allez peut-être pas le voir beaucoup. Parce que c'est vraiment quelque chose de très très... très très discret, mais avec des yeux très nude, enfin très nude, très smoky ou un truc comme ça, il est... Oh, il est trop beau. Merci, t'es juste une folle, sérieux. Tu vas trouver mon swap pad à côté. Oh là là. Sachant que là, je stresse à mort. Un peu d'eau. Donc c'est de la marque Gatineau, qui est une très bonne marque encore. C'est l'Aqua Memory Émulsion Ressourçante, relance une hydratation intégrale, émulsion jour et nuit, non gras, non comédogène pour les peaux déshydratées. Et moi j'ai une peau déshydratée, donc je pense que ça va être juste parfait. Voilà. Que dire? Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Je suis trop contente. De quoi briller de mille feux cet été. Alors, c'est une noupette scintillante, une perlée puff de chez Kiko. Alors, tu vas rire parce que... Ah, c'est pas celle que je pensais. Ils en avaient des blanches en ce moment dans des boîtes. Et j'avais hésité à la prendre. Et puis je me suis dit non, la prends pas, ça sert à rien. Et là, j'en ai une. Donc je suis super contente. Bon, je pense que l'utilisation doit être éphémère puisque. Une fois qu'on l'a mis, je pense qu'il ne doit plus y avoir de produits qui. Voilà. Mais c'est juste génial parce que je trouve ça très choupinou. Et ouais, cet été ou pourquoi pas un petit week-end en amoureux comme je vais me faire ce week-end pour aller au resto, pourquoi pas l'utiliser. Merci beaucoup ma belle. Ensuite, marque plus connue pour son odeur de miel. Une marque connue pour son odeur de miel. Nuxe, peut-être. Alors...
C'est un de la marque Snux Body, c'est le gel douche fondant mousse fine sans savon aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Donc je sais que tu l'avais mis dans une de tes vidéos et puis je t'avais dit, dis donc, ça doit sentir super bon, ça doit être vraiment sympa. Je trouve que tu écoutes que ce qu'on marque en commentaire, enfin que tu lis. Ouais, il a l'air de sentir trop trop bon. J'ai hâte de le tester, franchement, j'ai trop hâte de le tester parce que j'adore les produits Nuxe et. C'est quand même 96% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est sans parabènes. Donc j'ai vraiment hâte de tester ce produit. T'as vraiment mis des produits de folie, quoi. Je suis. Pour les jours indécis. Alors, c'est un Lucious Crème Lipstick de chez Kiko et c'est le 513. Puis il est trop trop beau. J'adore ces packagings là chez Kiko. Oh, il est beau. Magnifique couleur. Oh, il est beau. C'est pas un rouge, c'est pas un prune, c'est pas un rose. Voilà. C'est un rouge prune rosé. On va dire ça comme ça. Il est trop beau. J'adore. Merci beaucoup. Et le dernier petit colis de cette boîte. Mais après, il y en a encore. Hein. Toi, l'addict des box, tu n'en parles pas. Moi, je le possède et j'en suis fan. Qu'est-ce que c'est? C'est un Copper Eyes coffret de maquillage de la marque Makeup Line Paris. J'ouvre. Waouh. Alors dedans, on a un petit livre comme ceci. Cours de maquillage pour réaliser vos looks. Donc il vous montre un petit peu voilà, quoi faire. On a un petit pinceau. Donc avec un petit embout mousse et puis un petit pinceau qui a l'air juste génial. On a un petit gloss brillant à lèvres qui est très brillant. Et on a, je pense que ça doit être un petit fard à paupières miel doré et cuivre. Oh, c'est beau. Et voilà. Mais je connaissais pas du tout en fait. Donc non, j'en parle pas. Regardez. Ah oui. Ils sont beaux, hein. Très sympa. Très 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 sympa. Non, je connais, franchement, je connaissais pas du tout ce type de produit. Et ben écoute, tu vas me faire découvrir et c'est juste génial. Merci beaucoup. Alors, ben, on a fini la petite Au sac boîte Lollipops. Sephora. Déjà, le sac, il est trop sympa pour mettre des petits trucs pour partir en vacances ou quoi que ce soit, c'est génial. Alors à l'intérieur il y a. Ah oui, c'est la fameuse petite pochette machin de Glossy Box là. Vous savez qu'on peut mettre dans le sac et qu'on peut transporter. Donc ça je pense que ça va m'être utile déjà pour glisser dans mon sac à main. Alors là c'est pas emballé donc je vais vous montrer direct, ça me fera moins de boulot. Donc il y a. Je sais plus où j'en suis. Un baume pour le corps, donc un beurre corporel quoi en fait, fraise framboise de la marque Sephora. Donc je pense que c'est des produits que tu avais déjà testés. Alors là, je vais te dire que je suis pas forcément adepte de l'odeur. Mais un moyen de le savoir, c'est de tester, hein. Ah oui, non. Ben, à voir à l'utilisation, je testerai une fois, mais là pour l'instant,
Il y a un truc qui me gêne dans l'odeur. Mais bon, ça tue, hein, les goûts, les couleurs, malheureusement. Voilà, voilà. Alors, il y a également... Ça, c'est cool. Ce sont des petits... Vous savez, les petits nœuds qui étaient dans une des glossy box là, pour mettre sur les chaussures. Voilà. Donc, ça, c'est très sympa. Merci beaucoup. Il y a de la marque Modelco, un Cheek Plus Lip Tint Rosy Red, teint pour les lèvres et les joues. Oh, c'est trop cool. Donc, ça se présente comme ça. Et je me demande si c'était pas dans ma wishlist, ça aussi, d'ailleurs. Ouh, je fais un swatch ou pas? Parce que ça m'a l'air bien... Ouais, allez. Donc, ça se présente comme ça. Ah oui! Ça sent pas mauvais, en plus. Et ça rougit un petit peu. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, sympa. Je vais passer juste un coup de chiffonnette tout de suite pour éviter que ça marque ma main, hein. Mais ouais, ça m'a l'air très sympa. Donc bah, je testerai ça et puis je te dirai ce que j'en pense, bien entendu. Ensuite, nous avons de la marque Yves Rocher des perles de teint. Donc ça, je connais pas du tout le principe. On va regarder hein, ce que c'est. Je crois que c'est la collection rétropicale de l'été dernier, ça. Ouais, donc vous avez... Je sais pas tout faire tomber. Des petites perles de teint comme ça. Et je pense qu'on passe le pinceau et ça fait... oui. Ouais, c'est rigolo. C'est original. Par contre, je sais pas comment je vais... si quelqu'un a déjà testé ce style de produit, dites-moi un peu comment vous vous en servez. Parce que ça m'a l'air un peu galère. Mais voilà. Je testerai et ça m'interpelle. Donc j'aime bien tester des produits un peu bizarres comme ça. Ensuite... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la marque Sleek. C'est un petit blush de la marque Sleek. Et c'est la teinte antique 142. Eh, il veut pas que je l'ouvre. Bah merde. Ah ça y est. Il est beau. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Ah ouais. Ouais, il est trop trop beau. Ouais, très sympa. Ça met juste un petit côté irisé sur la peau et j'aime beaucoup. Merci. En plus, j'ai pas de blush Sleek. C'est mon premier blush Sleek et genre, je suis trop contente. Ensuite, un vernis de chez Kiko. C'est le 264 et c'est un violet profond qui m'a l'air juste trop trop beau. Il est trop trop beau. Merci beaucoup. Ensuite, un vernis de chez Catrice. Alors, je connais pas du tout ce style de vernis de chez Catrice. Il est 60 secondes nail couture. Et c'est la teinte 130 Black Burgundy. Voilà. Ils sont beaux. Je pense que je vous ferai un petit... comment dire? Avec les vernis que j'ai reçus dans les swaps, je vous mettrai sur un nuancier et comme ça vous pourrez les voir. Voilà. Je vous mettrai une photo sur Facebook ou sur Instagram. Voilà. Très très beau. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Un vernis? Non. C'est de la marque Mimimi. Un Cupid's Kiss. Donc Cheek Lip Tint. Alors je connais pas du tout. Donc c'est comme un gloss en fait, non? C'est ça? Je pense que ça doit être comme un gloss. Oh, c'est rigolo. Lip, c'est les lèvres. Ça m'interpelle parce qu'on dirait un vernis. C'est le même pinceau qu'un vernis. Ouais, non, c'est pas un vernis. Ça n'a pas l'odeur du vernis. Non, lip tint, c'est un truc pour les lèvres. Oh, c'est trop sympa. Regardez. Un petit rose pâle comme ça. En plus, ça colle pas du tout. C'est pas du tout comme un gloss. Très sympa. En plus, j'aime beaucoup la couleur, un rose liette comme ça. Très sympa. Bah, je testerai, puis je te dirai ce que j'en pense. Ensuite, nous avons de chez ELF un Lip Stain. Donc, c'est un petit gloss. Alors, faut de bons yeux. Bombshell, la référence éventuellement.
Hop. Donc ça se présente comme ça. Ah, ils ont l'air pas collants en plus. Il est très joli. Et de l'autre côté, vous avez un gloss brillant basique. Très joli, très sympa. Et pour finir ce petit pochon, nous avons un gel rafraîchissant pour les jambes menthe et eucalyptus de la marque Attirance. Donc la marque Attirance, c'est une marque que je connais. Et mais ça, j'ai jamais testé, donc ça tombe très bien. En plus, les packagings sont très sympas. C'est des tubes en métal. Je m'en mets sur le nez. Ça sent super bon. Ah, j'ai hâte de pouvoir tester ça pour cet été. Je pense que ça va être juste génial parce que ça m'a l'air très mentholé et tout. Et ça va être juste parfait. Merci beaucoup. Donc là, hop, il est fini ce petit pochon. Je vais vérifier qu'il n'y a plus rien dans le truc. Non, voilà. Et on va finir avec cette petite pochette. C'est de la marque Garancia à première vue. Enfin, la pochette, elle me met du neuf mais sans emballage dessus. Ensorcelle-moi. La pochette est vraiment très jolie déjà. Bon, donc l'intérieur n'est pas de la marque Garancia. Et je vois des trucs, allez je vous montre juste parce que... Voilà, j'ai vu un truc qui m'interpelle. Bon, alors, allez, hop, on va le garder pour la fin. Donc c'est un fard à paupières de la marque Avril, qui est comme ceci, et c'est le rose nacré. Ouais, ça c'est parfait pour faire un petit maquillage nude, juste pour donner un petit effet sur les paupières. Nickel, merci beaucoup. Ensuite, nous avons un color infaillible qui je crois est dans ma wishlist. Celui-ci, c'est le bronze divine. Là. Le voyage, il n'a pas aimé le voyage lui. Hop. Il est trop beau. Moi qui aime le kaki. Ah ouais. Regardez-moi ça, cette couleur. Il est trop trop beau. Merci. Donc je retire un petit vernis de la marque Kiko. Un petit vernis, un petit rouge à lèvres de la marque Kiko. Donc c'est ceux de la collection, je sais plus le nom de la collection, enfin bref. Hop, waouh, ça c'est le numéro 823. Et c'est un très beau rouge orangé. Je me demande si c'est pas les ultra glossy stylos ceux-là. Il est très joli. Très très joli. Il va très bien avec mes ongles. Ils sont pourris d'ailleurs, mais il va très bien avec mes ongles. Merci beaucoup. Ensuite, encore un ultra. Enfin, je pense que c'est juste, je ne veux pas dire de bêtises. Cette fois-ci, c'est le 824. Et là, c'est un très joli orange. Ah oui, il est beau. Hop. Très joli. J'aime beaucoup. Merci. Donc ça, je le savais, mais je m'en souvenais plus, je te l'avoue. C'est un rouge à lèvres MAC. C'est mon tout premier rouge à lèvres MAC. Donc là, voilà, je suis contente. Et en plus, c'est le Rebelle. C'est celui que je voulais le plus. Je suis méga contente. Trop méga contente. C'est un rouge à lèvres qu'elle a reçu et qui ne lui convenait pas. La couleur ne lui convenait pas, donc elle m'a dit, est-ce que ça te dérange si je l'ai testé, si je te le mets dans ton colis? Je lui ai dit non, pas du tout. Et il est comme ceci. J'ai hâte de le swatcher. J'ai trop hâte de le swatcher. C'est parti. Oh mon Dieu, qu'il est beau. Oh, il est sublime. Oh là là là. Je suis trop contente. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Je suis trop contente, t'es une folle, sérieusement t'es une folle. Je m'en souvenais plus du tout en plus de ce fameux rouge à lèvres MAC et voilà, je suis trop contente. Après, il reste deux petites choses dans cette petite boîte. Après, le petit truc il est vide.
Bon. Ça ne coulera pas. T'es une cinglée. T'es une cinglée. Je t'assure, t'es une cinglée. Allez, je vous montre. Donc, c'est deux produits MAC de la collection Venomous Villains. C'est des blushs. C'est deux blushs de la collection MAC. Oh, ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Donc là, j'ai la teinte 01. Regardez-moi ça. C'est un pêche un peu nude. Il est magnifique. Mais t'es une malade, sérieux! Et le deuxième, il est là. Et c'est la teinte 06. Il est superbe! Et il est ici. Ils sont beaux. Ah ouais. Je les ai mis là. Merci, 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 merci. Merci. Merci 100 000 fois. Bon, bah, on finit ce swap sur un moment d'émotion. Bon, allez, je reprends mes esprits. Que te dire? Merci, 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 et encore merci, merci 100 000 fois. Il y a plein de trucs qui me plaisent, franchement. Il y a plein de trucs que je voulais. Le seul petit hic, c'est peut-être les glosses, parce que je suis pas glosse du tout, mais bon, ça, je ne me rappelle pas te l'avoir dit, donc tu pouvais pas le savoir. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mes goûts qui changent, qui évoluent au fil du temps, donc pourquoi pas revenir aux glosses, hein. Après tout, il n'y a pas de raison. Je suis méga, méga contente. Il y a plein de produits que. Voilà. Des produits MAC, des produits Guerlain, des produits de grandes marques, des produits Chanel. Mon swap, il a l'air bien fade à côté et j'espère sincèrement qu'il te plaira autant que ce que tu m'as envoyé me plaît. T'es vraiment une personne en or et je suis vraiment ravie d'avoir fait ce swap avec toi. En tout cas, bah, je te fais d'énormes. Énorme, plein 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 de bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vois qu'elle fait 51 minutes. Ouh la vache. Je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.